Anges et démons, épisode 8, saison 2. Ouais, et genre, sur le truc, c'était marqué ça. Non, mais sérieux, c'est n'importe quoi, c'est des bobards. Ouais, t'as raison. Ouais. Pour ce fun, ça va pas? Non, pas trop. Pourquoi? Non, pour rien. D'accord. Damon, faut que je te dise quelque chose. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai appris quelque chose. Oula. De la part de Mélodie. De la part de Mélodie, c'est-à-dire. Je sais que tu vas pas aimer ça, et moi non plus. J'aime pas ça. Mais vas-y, dis-moi. Tu sais très bien qu'on peut tous se dire. C'est vrai. Bon, d'accord, je me lance. Persephone, elle t'aime toujours. Quoi? Elle m'aime toujours? Oh, non. J'ai pas envie, moi. Je l'aime pas, moi. Bah, moi, j'ai peur que tu tombes amoureux d'elle encore une fois. Je te jure que je tomberai jamais amoureux d'elle. Jamais. C'est fini. Il n'y a que toi dans ma vie. Et tu le sais très bien, en plus. Bon, étudiant, on va aller voir. Salut tout le monde. Oh, salut tes mains. Oh, oups. Ouch. La prochaine fois, fais gaffe. Pardon. Aïe. Oh. Ma tête. Désolée. Et tu vas bien, tes mains, je veux dire. Tu me trouves belle aujourd'hui? Hein? Tu me trouves belle? Mélodie, faudra qu'on parle tout à l'heure. Je veux dire, Persephone. Ok, pas de problème. On pourra se parler tout à l'heure. ouch. Bon, moi, je crois que je suis retournée chez moi. Je suis crevée, je tombe par terre. Bon, bah, je vous laisse, hein. Ciao, hein. Ouais, ciao, hein. Bon, Mélodie, viens, faut qu'on rentre. Mélodie, je pourrais te parler après? Oui, mais à la maison, alors viens. À tout à l'heure, Persephone. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Ciao. Hey, Gius, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Oui, pardon. J'espère que t'as pas intérêt à la toucher, hein. C'est bon, calme-toi. Non, je me calme pas. Oh, si c'est ça, je m'en vais. Ouais, faudrait mieux. Eh bien, on y va. Arrivé à la maison. Persephone. Je suis là. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Salut tout le monde, fille. J'espère que c'est pas encore une de tes nouvelles incroyables. J'espère qu'on va pas déménager. Oh non. Non, c'est pas ça du tout. Je viens. On est riches, les enfants. C'est pas super, ça. On vient de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. C'est super. Vous voulez pas passer des vacances? Non! Ok, calmez-vous, les enfants. Quand même. Vous êtes sûr que vous voulez pas faire des vacances? Non, c'est bon, maman. Et déjà, ça sert à rien, l'argent. Ah oui. Ça m'étonnerait que tu me disais ça avant. Je veux dire que voilà, c'est bon. Tu en veux toujours plus, maman. Oui, c'est vrai ça. Tu veux toujours plus d'argent. C'est pas de ma faute si moi, je suis une vraie femme. Une vraie femme. Ouais, c'est ça. Bon, les filles, je n'ai pas envie d'avoir une discussion. Allez dehors, plutôt. Oui, on va dehors. Donc, je voulais te parler, Persephone. Ouais, bah, alors viens. Ok. Tu voulais me dire? Toi, tu voulais me dire quoi? Je voulais dire que je te pardonne pour ce que tu m'as dit, que t'aimais Damon. Merci, c'est gentil. Y'a pas de quoi. Par contre, sois pas trop dégoûté s'il m'aime et pas toi. Ok. Et je veux dire, c'est toujours ok pour m'aider à devenir encore plus gentil? Ben, je crois que tu t'améliores là. Merci, c'est gentil. Mais voilà. Tu sais, il ne manque plus qu'une seule chose pour que tu sois parfaitement gentil. C'est quoi? Vas-y, dis-le-moi. T'es sûr? Dis-le-moi, je t'en supplie. D'accord. Ok.
que tu arrêtes d'aimer. Je crois que ça va prendre un bon bonbon. C'est à toi de voir, hein. Ouais. Oh là là. Mais on fait quoi maintenant? J'en sais rien. Oh oui, moi, j'ai un truc à faire tout à l'heure. Tu vas faire quoi? Je vais me promener au parc, tu vois. Au parc? Oui, au parc, tu as bien entendu. Les filles. Quoi, maman? Je dois me préparer, moi. Oui, très bien, mais attends. Mélodie, justement, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Comme vous ne voulez pas qu'on parte en voyage, j'ai engagé une servante. Maman, on n'en a pas besoin. Ah bon? Vous avez vu votre chambre quand elle est en bazar quand même. Et la cuisine, vous avez vu ça? Oh là là, je n'ai pas assez de temps, j'ai mon travail, les filles. Donc ce sera votre servante. Elle s'appelle Golia. C'est une fille zombie. Maman, on comprend pas le zombie. Ne vous inquiétez pas, elle vous comprend. Donc c'est ça l'important, c'est qu'elle vous comprenne. Comme ça, elle peut faire tout. Oh maman, tu dépenses beaucoup trop d'argent pour rien. Quand même, une servante. Mais franchement, tu pensais à quoi là? Mais... Ouais, tout à fait raison, ça arrête. Voilà. Mais les filles, vous voulez pas avoir des cadeaux? Je ne sais pas, moi je veux vous rendre heureuse. Ce qui me rendrait heureuse, c'est que tu arrêtes de nous embêter. Tu vois, c'est ça qui nous rendrait heureuse. Bon, Goulia, c'est pas tout ça, mais allez ranger de la cuisine. Et ne mettez pas trop bazar quand vous rangez, hein. Moi, je vais faire une sieste. Voilà, c'est parfait ici. Une bonne sieste. Voilà. Voilà, c'est une bonne sieste. Je suis parfaite. Bien maquillée, avec des belles chaussures, des beaux bijoux, un beau sac et un maquillage parfait et une coiffure merveilleuse. Je suis parfaite. Oh, je me demande ce qu'elle va faire. Je devrais aller la suivre. Bon, il est l'heure. Arrivée au point de rendez-vous. Damon, tu voulais me parler? Oui, je voulais te parler. Ah bah, bien sûr, vas-y, tu peux me parler. Oh, j'y crois pas. J'aurais pas dû lui dire que je lui pardonnais qu'elle aimait Damon. Mais c'est ma sœur. Je croyais qu'elle était devenue plus gentille. Mais j'ai bien peur qu'elle soit bien méchante. Tu voulais me parler? Oui, je voulais dire quelque chose. Vas-y. Je sais que ça va te faire du mal. Mélodie m'a dit que tu m'aimais, mais... Voilà. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. D'accord. Tu es sûre ce que tu dis? Tu ne changeras pas d'avis? Non, je ne changerai pas d'avis. Je suis désolée. Perséphone! Qu'est-ce que tu lui as dit? Mélodie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu lui as dit à la fin? Je lui ai juste dit que il fallait pas qu'elle m'aime. Ouais, c'est ça, t'es qu'un menteur, Damon. Quoi, moi, un menteur? Moi qui suis venue juste exprès ici, n'importe quoi, t'es venue juste ici pour voir ma sœur. Je te connais par cœur. Quoi? C'est plutôt ta sœur qui est venue ici. Elle savait très bien que j'allais venir. Tu sais que cette fille est vraiment méchante. Je t'ai dit qu'elle avait changé. Elle a changé là. D'accord, elle est pas parfaite, mais elle a changé. N'importe quoi, t'es qu'une menteuse. Oh, tu me traites de menteuse en plus? Mais vas-y, dégage. Si c'est ça, je veux plus jamais te parler là, ok? Mais... Mélodie! Mais là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je comprends plus rien. Cette dispute avec Damon. J'ai plus du tout envie de lui parler.
dire, Perséphone, ça ne va pas? Comment ça irait? L'homme de ma vie ne m'aimera jamais. Ça fait mal au cœur. Tu sais, moi aussi, si ça me fait mal au cœur. Mais c'est qui ce jeune homme qui ne t'aime pas? C'est Damon, à ton avis. Damon? Il ne m'aime pas. Il m'a aimé, mais il ne m'aimera pas. C'est moi aussi, c'est pareil. Ah oui? Dis-moi. J'aimais Mélodie, mais il ne m'aime pas. Donc on est pareil? On peut dire ça. Je sais pas quoi faire. Je veux être gentille. Mais c'est pas moi ça. Moi je suis pas gentille, je suis méchante. Mais je veux être gentille, je sais pas qu'est-ce que je veux. Tu sais, moi, à peine je regarde Mélodie que déjà lui, il essaie de me donner un coup de poing. Ah, c'est Damon ça, tu sais. Ouais, bah Damon ou pas, ça me saoule. Oh, calme-toi quand même. Oh là là, la dispute là, non, sérieuse. Ouais, je sais. Bon. Je sais plus quoi faire, moi. Je sais plus du tout quoi faire. Du tout, du tout, du tout. Bah, je sais pas, moi. T'as qu'à aller voir Damon pour t'excuser. Moi, m'excuser, mais non, mais il se prend. Non, mais tu dis n'importe quoi. Je m'excuserai jamais devant lui quand même. Oh là là. Claudina, tu sais quoi? Non, je sais pas. Je crois que j'en ai marre de Damon. Je l'aime toujours, mais j'en ai marre de ces disputes. C'est plus le Damon que je connaissais avant. T'aurais pas des sentiments pour quelqu'un d'autre, là, par hasard? Si, je crois que j'en ai. Je pense que c'est Deuce. Deuce? Mais... Mais... Je veux dire, ok, là, je comprends plus rien, là. Je crois que t'es amoureuse de Damon. Je suis amoureuse de Damon, mais je viens de me rendre compte que... Je crois que Deuce, il me comprend mieux que Damon. Il faudrait que j'aille le voir. Moi, je suis très bien avec toi. T'es gentil. Perséphone, qu'est-ce que tu fais? Ben quoi? C'est ma petite amie maintenant. Quoi? Mais je crois que tu m'aimais. Bah, ça, tu m'aimes pas. Et ton copain m'a bien fait comprendre que je devais pas t'aimer. Mais j'ai trouvé une personne qui me comprenait parfaitement bien. T'es trop gentille. Que se passera-t-il dans le prochain épisode? Que va faire Mélodie? Va-t-elle retourner avec Damon ou va essayer de prendre Deuce? Ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Bye bye les gars.